pense, avec Steins. Bonne défense, ouais, mais ce n'est pas suffisant, il est retour. Hein, quand on a Flipper. Exactement, hein, c'est vraiment une boule de Flipper. Chambé, c'est toujours une équipe compliquée à jouer et ils sont toujours très motivés de jouer contre nous aussi. C'est une équipe traditionnelle aussi, hein, donc ils viennent toujours ici pour faire quelque chose et c'est ça qu'on sait aussi. Et après, le match était dur comme d'habitude et je pense qu'on a quand même réussi à mettre notre jeu en place et c'est ça qui a fait la différence à la fin pour gagner le match. Les équipes viennent vraiment avec un but là et c'est aussi parce qu'on a déjà laissé quelques points en championnat. Donc on a déjà perdu quelques matchs et tout le monde sent qu'il y a quelque chose à chercher ici aussi. Et ils ont raison aussi, hein, j'ai jamais compris pourquoi ils sont venus ici pour pas jouer ou pour pas essayer de gagner ou pour bien jouer. Donc c'est bien d'avoir des équipes qui essayent vraiment de nous battre pour progresser plus et pour être fort derrière. Je pense que les trois clubs qui sont en tête sont des équipes des favoris pour le titre, oui. Il y a déjà beaucoup d'équipes qui ont gagné contre des grosses équipes aussi. Donc tout le monde a déjà lâché quelques points. C'est un championnat qui est plus ouvert que la saison passée. Donc je pense que ça va être comme ça toute la saison et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peut nous battre et aussi les autres favoris. Donc le championnat est plus ouvert et c'est plus spectaculaire peut-être. Et je pense qu'il y a le milieu tableau qui ont déjà gagné et perdu contre tout le monde aussi. Donc franchement c'est vraiment ouvert et c'est pas que des matchs entre les favoris qui va décider qui va être champion. Bien sûr, ce sont des matchs décisifs, mais ça ne veut pas dire que tu vas être champion à la fin. C'est une équipe qui a déjà des super joueurs, qui a vraiment fait progresser les dernières années. Je pense que c'est vraiment une équipe qui va venir aussi pour gagner et qui peuvent gagner aussi. C'est toujours compliqué à jouer et ils ont une équipe vraiment avec des expériences déjà, aussi en Coupe d'Europe. Donc ils savent jouer des gros matchs aussi, donc c'est à nous d'être à 100% pour pouvoir gagner.